Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Le Pacte des anges de Richard Anger, sorti en DVD chez Axia Film le 14 février 2017 et mettant en vedette Marc Messier, Emile Schneider et Lenny Kim Lalonde. Un homme de banlieue vieillissant et portant toujours le deuil de son fils est témoin d'un meurtre perpétré par deux frères mineurs qui le prendront en otage. Il se développera une relation particulière entre l'homme et les garçons tout au long de la fuite. Richard Anger nous arrive avec son premier long métrage de fiction, avec une histoire touchante et douloureuse, avec des intrications intéressantes et des personnages très bien construits et un style bien maîtrisé. Il est par contre facile de reprocher au film une espèce de cohérence stylistique que l'on retrouve au Québec. Cette espèce d'atmosphère que l'on impose à beaucoup de films québécois dramatiques avec plus ou moins de talent et qui font dire à certains que les films québécois sont pleurnichards. Le Pacte des anges ne fait pas exception et se maintient dans cette ambiance lourde et dépressive que certains exploitent mieux que d'autres. Dans le cas qui nous intéresse cependant, on peut parler d'une réussite, même si on ne développe pas le style avec originalité au-delà de ce qui a déjà été fait. L'atmosphère du film est bien maîtrisée et le style se mélange bien à une histoire qui se veut très terre-à-terre et ancrée, voire prisonnière d'une réalité concrète. Le scénario est très bien écrit et même si on va peut-être un peu loin dans le développement de la relation entre les trois personnages, on reste toujours dans les limites de la crédibilité. L'histoire est touchante et développe un peu plus en profondeur les intentions qui auraient pu se révéler beaucoup plus simplistes. La plupart du temps, les acteurs sont tous très bons, même si on sent parfois un peu de manque d'appropriation des textes, surtout de la part des jeunes. On n'ira pas jusqu'à dire que les textes avaient l'air lus, mais on entend parfois dans les tons de voix et les mots trop bien prononcés une espèce de détachement du texte qui fait transparaître la présence du jeu. De manière générale, cependant, on peut vraiment dire que le jeu des acteurs est très bien, et que c'est la complicité entre les acteurs qui semble faire du jeu un peu trop apparent, un détail par-dessus lequel on peut passer. Le film est présenté en format d'image 2.35 en français Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais et l'encodage pour malentendants en français. Il n'y a pas de supplément sur le DVD. En conclusion, je dirais que Le Pacte des anges est un film qui possède tous les éléments pour être très bon. Scénario, direction artistique, acteurs, utilisation des décors naturels du Québec, profondeur, atmosphère, mais que c'est un film qui manque un peu d'originalité. On semble avoir été pêcher toutes les pièces nécessaires à un bon film et on les a mis ensemble, ce qui n'est pas plus mal si on considère qu'il s'agit du premier long métrage de fiction du réalisateur. C'est un autre film qui s'inscrit parfaitement dans la tradition québécoise des films lourds et difficiles, avec un sujet dépressif et un dénouement ambigu. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film, mais que le réalisateur suit présentement la manière de faire les films au Québec, et qu'il pourrait éventuellement s'en détacher pour ajouter un peu plus de caractéristiques personnelles, un peu d'audace à ses prochains films. Malgré tout, dans son ensemble, Le Pacte des anges est un film intéressant à voir et divertissant tout à la fois. Peut-être pas un grand must, mais définitivement un premier pas bien ancré. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.